Alors, cette mission, celle-là, elle m'a beaucoup marqué, parce que j'ai bien failli y laisser ma peau. Et là, il découvre un Mirage 2000 en train de ravitailler. Et là, il a dû se dire, ah, ça, c'est pas à moi. Et donc, il est parti. Les ravitailleurs, le deuxième, quand il a vu ça, il a dit, moi, je m'attendais à voir une boule de feu dans l'air. Et juste avant d'attaquer dans le dur, comme on dit, eh bien je vous présente notre partenaire aujourd'hui. Un partenaire que je suis depuis très longtemps, je suis super fan. Pourquoi je suis super fan? Parce que j'adore customiser mon bureau. Là, vous avez un petit peu le behind the scenes de mon bureau nouvelle génération. Et c'est Displate, regardez-moi ça, qui vient tuner. Alors, je retire ça, hein, oh, regardez ça. Qui vient tuner le bureau. Alors, Displate, c'est quoi? Ce sont des posters en fait en métal, comme vous l'entendez. C'est du costaud, c'est magnifique, ça tient super bien et ça ne, contrairement au reste ou à ce que je pouvais avoir avant, ça ne tient pas grâce à de la pâte à fixe ou des trous dans le mur. Ça tient grâce à des super systèmes. Alors vous recevez dans des cartons tout ce qui va bien avec la petite checklist et je suis très très mauvais en installation et pourtant j'ai réussi rapidement. Donc ça marche bien, pas besoin d'avoir 8 mécaniciens ce coup-ci. Vous allez pouvoir mettre ça sur votre mur pour le protéger, retirer le sticker bleu, coller tout ça et ensuite c'est au mur, ça n'amine pas votre mur. Je suis en location, alors c'est pas plus mal. Et derrière, vous allez voir, hop, regardez, on va bouger celui-là. Et voilà, tout simplement, vous avez vu un peu ? Merveilleux. Donc vous avez des displays qui sont des displates qui sont donc fabriqués à la demande, qui vous sont envoyés en 4 ou 5 jours. C'est fabriqué en Europe. C'est magnifique. Franchement, ils sont très 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 beaux. Vous avez des visions design un petit peu comme ça, ou sinon des photos, et même nous on va mettre des photos je pense, hein. Donc cliquez sur le lien, si vous en prenez un ou deux avec le lien, ça vous fait 22% de réduction, si vous en prenez 3 ou plus, vous voyez là j'en ai 3, et j'en ai mis une dans la chambre également, pas aéronautique ce coup-ci, mais maritime, et eh bien vous avez 33% de réduction. Démonstration, messieurs, dames, hop là, et abracadabra, regardez, je le mets comme ça. C'est merveilleux, c'est magnifique. Comme je vous ai dit, même avec mon niveau de bricolage et sans mécano, ça fonctionne. Perso, j'adore le SR71. Alors, c'est pas une photo, hein, vous vous doutez bien, mais je le trouve absolument merveilleux et ça me permet de me calmer avant de devoir attaquer eh bien, le tournage de tous les effets spéciaux pour cet épisode. Allez, n'hésitez pas à aller sur Displate, dites-moi ce que vous en pensez ou envoyez-moi des photos de votre bureau une fois qu'il sera magnifiquement tuné. Stanislas de Lauriston est entré à l'école de l'air en 1974. Macaronné chasse sur T-33 le 2278, il a volé sur Mystère 4A, Mirage 3E, Mirage 2000 et a été engagé dans le Golfe et les Balkans. Il a volé sur de nombreux avions, dont le F-16, le MiG-29 ou encore le F-18. Et bien sûr, nous en parlerons sur la chaîne. Mais aujourd'hui, il va nous partager une expérience assez incroyable dans le cadre d'Aviation Legacy. Tu as eu la chance de faire la première mission de guerre dans le Golfe, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est pas la première mission de guerre, c'est la première mission dont on avait parlé avant. Là. C'est la première mission d'intégration dans le dispositif de la coalition. C'est-à-dire que c'était avant les opérations. La première mission opérationnelle dans la TO de la coalition. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est arrivé donc, fin octobre, il a fallu qu'on construise notre intégration, etc. Et puis, donc, on a fait beaucoup de missions d'entraînement, mais de l'entraînement, pas dans le dispositif de guerre. Alors on s'entraînait avec beaucoup avec les Américains, bien sûr, avec les Saoudiens, avec les Marines américains. Là aussi, je pourrais raconter des choses avec les F-18 des Marines. C'est une expérience unique dans ma carrière. Tu les as bien aimés, les Marines, ou pas? Ah, génial. Moi, je pensais que les Marines américains, c'était des gens complètement... Ah, pas du tout. C'est un peu les francophones de l'armée américaine. C'est des voyous, hein. Ouais, des voyous, hein. C'est pirates. Des pirates. Alors, on a fait des trucs extraordinaires avec eux. Donc oui, alors la première mission, c'est-à-dire qu'après avoir préparé tout ça, eh bien, ils nous ont dit, à partir de telle date, ça devait être, il faudrait que je vérifie, c'était vers le 10 décembre. Je crois que c'était le 10 ou le 11 décembre 90. Ils ont dit, maintenant, on vous rentre dans le dispositif.
C'est-à-dire, vous faites votre entraînement, mais tous les jours, vous devez donner des missions, vous devez donner des avions et assurer des missions de cap. C'est-à-dire, on était dans la posture de guerre. Hein. Vous faisiez face à Saddam, et s'il traversait la frontière, ou s'il venait, vous embêter, vous aviez de l'armement en bon de guerre. On était en vol 24 heures sur 24. On la coalition, 24 heures sur 24, on a armé plusieurs patterns d'alerte en vol, et on était donc sous contrôle de la WACS, avec des ravitailleurs en vol 24 heures sur 24, et on maintenait cette permanence en vol pour le cas où... voilà. Donc, la première mission, j'avais demandé aux Américains, je leur avais dit, je vous demande pour la première mission, parce que ces missions étaient dimensionnées pour le F-15. Donc, le F-15, lui, c'était des missions qui duraient entre 5 et 6 heures. Donc, lui, il faisait deux ravitaillements en vol. Nous, on en faisait 4 ou 5. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, alors, bon, c'est faisable, hein, mais c'est, bon, c'est... Nous, on a adapté l'autonomie du 2000. Ils n'ont pas fait d'exception pour nous. Ils ont dit, si vous voulez occuper votre place à 1, voilà le truc. Le créneau, c'est... Donc en fait, on devait tenir 3 heures en cap. Donc, en plus, on était loin. Donc il fallait qu'on aille sur la zone, commencer par ravitailler, ensuite les caps. Pendant les caps, on devait partir ravitailler tantôt. Donc il y avait d'autres 2000 qui devaient venir, parce que la cap, elle devait être armée en permanence. Donc, ah oui. Donc en fait, pour tenir une cap, on mettait 6 avions. Voilà. Oh mon Dieu. Eux, ils mettaient 2 F-15, nous, on mettait 6 Mirage 2000. Ah ouais. Voilà. Donc on tournait comme ça, et puis donc on tournait entre le ravitailleur, etc. Et donc les missions duraient 5h30 à peu près en moyenne. Hein. Alors je leur avais demandé que pour la première mission, je leur ai dit, vous nous mettez un créneau de jour pour qu'on ait le temps d'être tranquille et puis qu'on n'ait pas surtout en plus les ravitaillements de nuit pour commencer. Ils m'ont dit pas de problème, donc la première mission, minuit. Bon, donc entre minuit et 6h du matin. C'était jour aux US, quoi. Ouais, c'était jour aux US, voilà. J'ai peut-être oublié de leur préciser la zone horaire. Alors, cette mission, bah, celle-là, elle m'a beaucoup marqué, parce que bah, j'ai bien failli y laisser ma peau. Et encore une fois, pas de ma faute. Donc, le dispositif est le suivant. On décolle à minuit à peu près, et on est sous contrôle d'un AWACS américain, et on a deux ravitailleurs français, deux C-135FR, qui sont dans leur orbite au nord de l'endroit où on était, donc au sud de la frontière Arabie Saoudite et Irak. Et donc les ravitailleurs tournent. Et nous, on a donc tout préparé avec eux en disant on viendra vous ravitailler à telle heure, à telle heure, à telle heure, etc. Et donc j'ai un équipier avec moi, on est deux. On arrive, on ravitaille. Jusque-là, ça se passe bien. On va tenir notre cap. Voilà. Et au bout d'un moment, les suivants arrivent et nous, on repart ravitailler. Et donc, il y a deux ravitailleurs qui sont l'un derrière l'autre à une distance de 1 km, enfin, un nautique, donc 2 km, on va dire, 2 km. Ils sont l'un derrière l'autre, comme ça. Et chacun ravitaille sur son ravitailleur. Donc, je ravitaille sur le premier et mon équipier ravitaille sur le second, de manière à ce qu'on minimise le temps d'absence de la cape. Voilà. Et donc, il fait nuit noire, tout est éteint. Et nuit noire en plus, hein, il n'y avait pas de lune, il n'y avait rien, nuit noire. Et les seules lumières qu'il y avait, c'était sur les ailes du ravitailleur. Il y avait les lumières de bout d'aile, donc rouge à gauche, à bâbord pour un marin, et verte à tribord. Et puis c'est tout. Donc on arrive, tout se passe bien, on intercepte les ravitailleurs, et bon, c'est pas très compliqué, etc. Et moi, je suis en train de ravitailler. Je suis enquillé sur mon ravitailleur. Mon équipier est en train de ravitailler sur son ravitailleur derrière. Et là, on se fait couper la route par ce qu'on a découvert après, un F-15 saoudien qui nous a coupé la route comme ça, en virage, sur la tranche, comme ça. On est passé dans son souffle, mais il nous a coupé la route à 20 mètres devant. Je sais pas restituer la distance, mais pas à 300 mètres. Hein. On est passé dans le souffle, on s'est pris une gamelle avec le ravitailleur. J'ai même cru que ça allait arracher le panier, etc. Dieu merci, ça a tenu. Et là, j'ai bien cru qu'on allait... Alors, le débriefing a été fait. Je me fais couper la route par le F-15. Qui nous a pas vu. Il n'a pas vu ni le Boeing, ni moi. Et en fait, il a repéré dans son radar celui qui est derrière. Parce que lui aussi, le F-15 devait les ravitailler, mais pas sur les nôtres, sur d'autres ravitailleurs qui étaient ailleurs. Donc, il a pas vu les autres. Et je ne sais pas comment il s'est débrouillé, pas très bien. Il s'est perdu devant nautique. Il s'est perdu, voilà, exactement. Et donc, il a vu à un moment l'autre ravitailleur, il a dit « Ah, mon ravitailleur !» Et là, il part en virage, il nous coupe la route. Et il vient se mettre en position, et là, il découvre un Mirage 2000 en train de ravitailler. Et là, il a dû se dire « Ah, ça, c'est pas à moi !» Et donc, il est parti.
les ravitailleurs, le deuxième, quand il a vu ça, il a dit, moi, je m'attendais à avoir une boule de feu dans l'air. Hein, parce que, bon, ça aurait bien pu. Hein, on doit notre survie à un coup de chance, enfin, ou bon Dieu, je pense, mais... on n'y pouvait rien, puis on n'a rien vu venir, parce qu'en plus, il faisait nuit noire, donc quand on l'a vu, c'est trop tard. Toi, t'es enquillé, radar éteint. Absolument. Donc, bah oui, de toute façon, enquillé, on ne regarde pas le... Alors, il se trouve que le pilote du 735, c'est un de mes copains de promotion de l'école de l'air. Donc, on s'est téléphoné après, t'as vu ce qui s'est passé, bon, etc. Et il m'a dit, bah, on va voir le débriefing, parce que le chef des opérations des ravitailleurs de l'US Air Force, dans le Golfe, avait demandé à monter dans le ravitailleur pour voir, quoi. Donc lui, petit test, peut-être sans doute, il a tellement eu peur que, et on peut comprendre qu'il a dit on va débriefer ça. Heureusement, parce que si nous on avait essayé de débriefer, je pense qu'on aurait eu du mal à trouver. Mais eux, ils ont remué ce qu'il fallait et on a trouvé le pilote, on a trouvé tout ce qui s'est passé, etc. Voilà. Donc je me souviens que bon, la mission s'est heureusement bien terminée. Je me suis posé sur notre base hein, au retour et le commandant de base, à l'époque, était, comme c'était la première mission, il est venu m'accueillir au pied de l'avion. Alors il m'a dit, alors, si ça a bien passé ? J'ai dit, on a bien failli mourir, oui. Voilà, bon, c'est anecdotique, maintenant on en rigole, mais sur le moment, j'ai dit, ça commence bien. Quoi. Du coup, Stan, de ces quasi trois décennies au service de la France, qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que tu pourrais partager sur cette carrière aéronautique assez exceptionnelle ? Encore une fois, bon, elle est exceptionnelle dans la mesure où elle a duré un certain nombre d'années et que j'ai eu beaucoup d'expériences diverses. Je pense que j'ai conscience d'avoir fait un métier d'exception. Voilà. Métier d'exception parce que par la force des choses, c'est, tout le monde n'a pas accès à ce métier. On est un petit nombre, en fait. Hein. Et ensuite, moi, ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est la fédération de beaucoup de talents, de beaucoup de métiers au profit d'un même but. Alors je m'explique, il y a dans l'armée de l'air, mais c'est la même chose dans les autres armées, mais je parle surtout pour l'armée de l'air, il y a à la fois des gens d'origine diverse, des profils de carrière, des profils académiques très différents, des gens de formation différentes, mais tous fédérés autour d'un seul but. Et c'est une armée qui, bien sûr, laisse une grande place à la technique, mais le plan humain est, à mon avis, le plus important. Il y a un véritable esprit de corps, il y a même des querelles de clochers, mais qui sont pour amuser la galerie, et comme j'aime bien dire, autour d'un verre le soir. Mais je pense que c'est un métier exceptionnel parce qu'on est tous fédérés autour de valeurs communes. Et, voilà. Et chose que... qui m'ont manqué après dans ma carrière civile qui a suivi, où j'étais un peu privé de tout ça. Parce que j'ai trouvé que dans le monde civil, c'est beaucoup plus individualiste. La notion de profit est aussi importante, alors que dans le métier militaire, le métier de combattant, c'est des sujets quasiment inconnus. Quoi. Voilà. Ah, ça, c'est très joli, effectivement. Mmh. Et puisqu'on parle de petites guerres de clochers, j'ai cru comprendre qu'un jour, tu as dû faire un briefing sur Rafale monoplace versus Rafale biplace. Oui, alors, oui, ça c'est... Oui, parce que j'ai connu, en fait, comme on le disait tout à l'heure, j'ai connu une époque où il y avait pratiquement en France que des avions monoplace. Et puis petit à petit, quand le 2000N était... Alors il y avait eu le Mirage 4, il y avait dans les forces aériennes stratégiques, il y avait l'avion biplace, mais dans les avions de chasse conventionnels, on n'avait pratiquement que des avions monoplace. Et quand, avec l'arrivée du Mirage 2000N, on a remis en route des avions avec un pilote et un officier système d'armes derrière. C'est une autre culture qu'on n'avait quasiment pas en France. Les Américains, les Britanniques l'avaient, les Allemands aussi. En France, on l'avait peu. Et donc, j'ai connu cette période où on a eu des Mirage 2000N, 2000D, donc biplace, et arrivait le Rafale. Et à l'époque où j'étais dans l'armée de l'air, et surtout quand j'étais à l'état-major, etc., un des sujets récurrents, c'était on préparait l'arrivée du Rafale, mais la décision n'avait pas été prise initialement. Est-ce qu'on s'embarque sur des Rafales monoplace ou des Rafales biplace ? Donc il y a eu beaucoup de débats, évidemment, à l'intérieur de l'armée de l'air. Et tout le monde avait son avis sur la question. Et je me souviens d'une année où il y avait ce qu'on appelle le congrès de la chasse. À l'époque, je commandais l'escadre à Orange et on revenait de la guerre du Golfe. Donc, escadre de monoplace. Escadre de monoplace, ouais. Absolument. Et donc on revenait de la guerre du Golfe, ce qui fait qu'on avait, je dirais, une certaine crédibilité
pour parler de l'aviation de combat en opération, etc. Et donc, on nous a demandé, les commandants d'escadre, donc on était un certain nombre, au congrès de la chasse, on devait plancher, on nous avait attribué à chacun un sujet sur des sujets d'actualité de l'aviation de combat et puis sur l'avenir de l'aviation de combat. Et on planchait devant tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est en gros tous les généraux de l'armée de l'air, toute l'aviation de chasse, c'est-à-dire tous les commandants d'escadre, commandants d'escadron, j'appelle ça le gratin de l'aviation de chasse, quoi. Donc j'étais devant mes pairs. Alors moi, en tant que commandant d'escadre, on m'avait demandé de donner mon avis sur faut-il des rafales monoplace ou biplace, ou les deux, combien, etc. Quelle proportion. C'est un sujet à l'époque hautement sensible. Parce qu'on savait très bien, je savais, que, en tout cas je connaissais certains généraux qui avaient des positions très tranchées sur le sujet, dans un sens comme dans l'autre, et là j'allais au feu. Quoi. Et puis c'est toujours difficile quand on est devant ses pairs, et surtout devant des gens de fonctions élevées, d'aller proposer un point de vue qui peut-être ne va pas passer. Alors je crois que dans ces cas-là, il faut pas hésiter, il faut dire ce qu'on a à dire. Quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai défendu ma position sur le sujet avec des arguments. J'estime que j'avais des arguments. Ce n'était pas une position comme ça au doigt mouillé et au pif. Et voilà, donc bon. Et puis, pour ma petite satisfaction personnelle, je me suis aperçu que bien des années après, je pense que j'étais dans le bon sens de la pensée, même si à l'époque, mon avis était plutôt à l'encontre de la pensée dominante. Donc, pour faire simple, moi, j'étais partisan de beaucoup de monoplaces et pas beaucoup de biplaces. Voilà. Bon, mais après, des gens ont soutenu les thèses inverses, hein, donc je ne détiens pas la vérité, mais ça a été des combats un petit peu homériques dans certains cas. Bah, très bien, merci beaucoup, mon colonel, du coup, pour... merci de m'avoir invité pour partager cette expérience. C'est toujours un bonheur, et si ça peut servir à des gens d'avoir des points de repère, et tant mieux. Sachant que maintenant, bien sûr, les choses ont changé, les OPEX quasiment ininterrompus depuis la guerre du Golfe font que l'aviation a énormément évolué, le nombre d'avions a grandement diminué. Alors bien sûr, j'ai entendu que la loi de programmation militaire qui se prépare promet des lendemains meilleurs. J'espère simplement qu'elle sera traduite dans les faits. Je pense que la France a besoin d'un outil de défense rehaussé. Voilà. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir ton point de vue de l'aviation au canon à vue, pour finir sur des prises de parole sur quel type de rafale pour le futur. Et des drones, c'est ça, exactement. Merci beaucoup pour cette invitation, j'ai passé un excellent moment. Merci mon colonel, merci.